pionnier Gribouille. On va bien s'amuser. Hourra, hourra, hourra. Attention, c'est aux humains. Souviens-toi de ce que papa a dit, Gribouille. On ne touche qu'avec les yeux. Admirez l'artiste. Je suis le plus grand équilibriste du monde. Attention, Gribouille, tu vas faire tomber Pablo. Au secours. J'étais bien nu, hein. Oh, regardez un fantôme. Mais je tremble de peur, Gribouille. Arrêtez de faire les clowns et venez plutôt voir ce que j'ai trouvé. Oh, comme c'est beau. Un papillon arc-en-ciel. Il n'est pas sauvage, ton papillon, Gribouille. Alors vas-y, Pablo. Vas-y, n'aie pas peur, attrape-le. Ah, il s'accroche drôlement, ce papillon. Pablo, n'y arrive pas. Pablo, n'y arrive pas. Arrête de rire et viens m'aider. C'est à mon tour de jouer. Non, c'est à moi. Pablo, regarde, il vole. Il vole comme un oiseau. Ne t'arrête pas, Pablo. Plus vite. Ce genre d'oiseau, ça peut voler beaucoup plus haut. J'en ai même vu faire des loopings. Salut, Gaëtan. Mais comment on fait pour ça? Je vais le lâcher d'en haut, ça volera mieux. Tiens-le bien fort. Génial. Laisse-moi essayer, Pablo. Passe-moi la ficelle. Je veux le faire voler. Oh, c'est malin, vous l'avez lâché. Attention, il va tomber sur nous. Bonnie, Gribouille, vite courir à l'abri. Dans certaines situations, il faut savoir faire face au danger. Tu vois, Anna, il n'y a personne dans le jardin. Tu as dû faire un mauvais rêve. T'as entendu, papa? Oui, oui, ça venait de là-bas. Tout va bien. Ce n'est qu'une mouette. Regarde, papa. La mouette m'a rapporté mon cerf-volant. Oui. Bon, allez, il est temps de retourner nous coucher maintenant. La petite fille avait l'air d'être contente. Grâce à qui? Merci, Gaëtan. Merci pour ton aide. Pas de problème. Je crois que pour vous aussi, c'est l'heure d'aller se coucher. C'est vrai que l'exercice, ça fatigue drôlement.